Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de iRobot et de Elevator Action. iRobot est un trésor inspiré et en avance sur son temps, méconnu de cette époque. Il est l'un des pionniers de la 3D polygonale dans les jeux vidéo. Jusqu'alors, il n'y avait eu que de la 3D vectorielle, en fil de fer, dans des jeux comme Battlezone, ou bien de la 3D simulée avec les jeux en 3D isométrique tels Qbert. Dans un scénario inspiré de 1984 de George Orwell, le titre est varié et difficile en alternant différentes phases de jeu combinant jeux de plateforme, de labyrinthe et shoot'em up en introduisant un système de caméra interactif. On y incarne Interface Robot, un robot qui tente de se rebeller contre la dictature de Big Brother. Ce dernier a installé des yeux géants partout qui surveillent et font appliquer la loi en foudroyant ceux qui l'enfreignent. Le but va être de détruire l'œil de chaque niveau. Pour cela, le robot parcourt un circuit labyrinthique en 3D dans lequel il ne peut sauter de plateforme en plateforme que lorsque l'œil est fermé, car la loi exige de ne pas sauter sous peine de foudroiement. En avançant sur votre chemin, il faudra éviter des obstacles ou ennemis que vous pouvez parfois détruire avec votre arme laser. Pour mieux appréhender la conception des niveaux, une caméra interactive propose différentes vues. Il faudra aussi parfois utiliser des téléporteurs. Après avoir détruit l'œil, le robot part dans l'espace pour une séquence de rail shooter. Le robot semble avancer sur un rail sur lequel on peut le déplacer de droite à gauche et tirer sur les adversaires et obstacles. Peut-être trop complexe pour un jeu arcade, trop en avance, trop déconcertant et surtout sorti durant le crash du jeu vidéo, qui achève l'âge d'or des jeux d'arcade, il fut un échec commercial et ne fut pas adapté pour les supports familiaux. C'est l'histoire du jeu vidéo qui a par la suite réhabilité le titre. Elevator Action est un jeu assez difficile mais original dans lequel vous incarnez un agent secret qui doit s'introduire dans un immeuble de 30 étages par le toit, voler des documents, sans se faire tuer par les adversaires et repartir par le rez-de-chaussée. Pour cela, votre personnage peut se déplacer, sauter, se baisser et tirer, ou frapper s'il est à proximité. Le jeu utilise des ascenseurs qui permettent de se déplacer dans l'immeuble. Les documents sont cachés derrière des portes rouges. Les ennemis peuvent eux sortir des portes bleues. Vous pouvez également tirer sur les ampoules pour plonger l'immeuble dans le noir quelques instants. Par rapport aux ascenseurs, on peut remarquer que le jeu Backman sorti l'année précédente utilisait déjà des ascenseurs, et que la même année sort un titre ressemblant appelé Intrépide. A signaler aussi un clone d'Elevator Action, sorti un peu plus tard, appelé Mission Elevator. Les versions Atari 2600 et Atari 7800 d'Elevator Action étaient en préparation, mais ont été annulées. Le jeu a cependant été adapté sur de nombreux supports, en voici un aperçu.
Le jeu a connu une suite bien plus tard, en 1994, Elevator Action Returns, sorti en arcade, puis pour PC, Saturn, PlayStation 2, Xbox et GameCube. Ainsi que plusieurs remakes, Elevator Action EX pour Game Boy Color, Elevator Action Old and New pour Game Boy Advance, et Elevator Action Deluxe pour PlayStation Network. Il existe aussi une suite, appelée Elevator Action Death Parade, sortie en 2009 uniquement en arcade, en vue à la première personne, qui n'a pas grand chose à voir. Pour téléphone portable, on trouve aussi Elevator Action 3D, qui est également en vue à la première personne. A plus tard, gameuses et gamers.